Mesdemoiselles, messieurs, pour calmer les esprits, là, on dit des islamistes. Il ne faut pas faire une généralité. Il y a un groupe de fadas là, qui se prennent pour n'importe qui font n'importe quoi. Il ne faut pas faire une généralité. Pour calmer les esprits, quand j'étais petit, on me disait tu es le cow-boy d'Aubervilliers quand j'avais le chapeau. Et donc voilà, monsieur Mallory. Et c'est bien triste ce qui s'est passé pour ce monsieur. Une pensée pour la famille et tout. Il n'y a pas de problème. J'ai les nerfs. Monsieur Mallory, Michel Mallory. C'est moi le cow-boy d'Aubervilliers. Et mon chapeau s'est avéré. Mon cheval c'est un Solex. J'aimerais qu'on m'appelle Tex. Mais mon vrai nom c'est René. C'est moi le cow-boy d'Aubervilliers. Même mes copains d'atelier, dès que j'ai retourné, disent que je suis cinglé, eux qui ne savent plus rêver. Il y a longtemps que j'attends de voir le Texas et le Nevada, mais le métro ne va pas jusqu'à là-bas. Il me dit que boy from Aubervilliers, I am très connu pour Champéry, mais ça va chez Renault, c'est un sacré boulot. Pour un cow-boy d'Aubervilliers, je suis plus rapide que le grand Billy. Le grand Billy de Juvisy. Mais mon grand ennemi, c'est Joe de Champigny. Un jour ce sera moi ou lui. Et longtemps que j'attends de voir le Texas et le Nevada, mais le métro ne va pas jusqu'à là-bas. Dans mon ranch à Aubervilliers, si une fille pouvait m'aimer, on s'en irait à deux, on serait dans les prairies d'Aubervilliers. Nous les cow-boys d'Aubervilliers. Merci à ce monsieur. Oh, yeah. Merci à ce monsieur, Michel Mallory.